Comment chanter en rythme? Bonjour, c'est Antoine, ton coach vocal. J'ai accompagné des chanteurs lors de plus de 3000 coachings. Et si tu veux recevoir tous mes conseils toutes les semaines, je te propose de t'abonner à cette chaîne en cliquant juste ici. Vous avez pu voir dans une précédente vidéo dans laquelle j'interviewais Lucas Hiawatha, l'inventeur de la méthode au passo, qui nous expliquait qu'au Brésil, il y a des rythmes qui sont certes très compliqués, mais que tout le monde n'est pas forcément un génie du rythme. Et simplement, il faut apprendre et vivre dans le corps, c'est tout un apprentissage, ces fameux rythmes brésiliens, et que sans ça, on ne peut pas les jouer aussi bien qu'on les voit souvent lors des festivals. Je te propose aujourd'hui de démarrer le travail sur le rythme avec une petite méthode toute simple. Donc, on va commencer par marcher en avançant notre pied droit et on va faire 1, 2, 3, 4. C'est inspiré bien sûr de la méthode au passo inventée par Lucas Hiawatha. On va faire juste ça. 1, 2, j'avance. 3, 4, je recule. Allons-y ensemble. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Si c'est trop compliqué pour toi d'avancer, de reculer, tu peux juste faire sur place. 1, 2, droite, gauche, droite, gauche. Maintenant, ce que je te propose de faire, c'est d'identifier sur une chanson, on va prendre Hello d'Adèle, le refrain, et on va regarder quand est-ce que je dois démarrer à chanter. Parce que chanter, c'est coordonner énormément de muscles. Si tu ne sais pas à quel endroit tu dois produire le son, ça veut dire que ton cerveau ne pourra pas donner les indications à tous les muscles qui doivent rentrer en jeu, muscles de contrôle de la respiration, tes cordes vocales qui vont être actionnées, les qualités de résonance que tu vas vouloir mettre en œuvre au moment où le son va sortir. Tout ça demande de l'action, de l'effort, il va falloir que les muscles se contractent au bon moment. Et si tu n'as pas compris exactement à quel moment tu devais sortir ta note ou prononcer le mot, eh bien ça ne pourra pas fonctionner. Donc on va tester ça avec le refrain donc de Adèle. Donc si je te fais l'accompagnement d'avant, donc je marche. Tan, 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 tan. Hello from the... Ah, là, mon hello. Quand est-ce qu'il est? Est-ce qu'il est au moment où j'appuie avec mon pied, où je pose mon pied, ou est-ce qu'il est en l'air? Si je recommence. Hello from... Mon hello est bien au moment où j'appuie le pied. Alors, si tu as ta partition, tu peux t'imprimer hein, comme ça tes paroles. Tu fais ça pour ta chanson. Tu mets un petit bâton à ce moment-là, juste sous la syllabe que tu vas prononcer au moment où tu pose le pied par terre, tu seras sur le temps, ce qu'on appelle sur le temps. Mais ça ne sert à rien de retenir le terme solfégique. Ce qui compte pour toi, c'est de savoir que au moment où tu poses ton pied, hello, j'ai mon E du hello qui sera ici au moment où je pose le pied. D'accord? Voyons si ça marche. Tum, tum, pam, pam, et hello from the other side. Mon hello est bien ici au moment où je pose le pied. Maintenant qu'on a détecté qu'on devait démarrer à ce moment-là, voyons, avant même de le chanter, si je peux actionner des muscles simples à actionner, et c'est-à-dire frapper dans les mains. Maintenant que j'ai compris, je dois le faire. Pam, 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 hello. D'accord ? Je vais frapper dans les mains en même temps que je pose le pied. Pour me prouver que j'arrive à activer des muscles simples, là on a voilà, quelques muscles pour frapper dans les mains, mais ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on doit mettre en œuvre quand on veut chanter. Et j'essaye comme ça, sans chanter, juste dire le texte et frapper dans les mains maintenant. C'est parti. Tum, tum, pam, pam, hello. Donc tu vois là, je peux taper dans les mains pile poil au bon moment en même temps que je pose mon pied. Donc derrière, je vais pouvoir rajouter les mots. Juste avant de continuer, si tu penses que cette vidéo pourrait intéresser des amis qui ont des problèmes de rythme, tu peux leur partager bien sûr et la liker si tu l'apprécies. Maintenant, nous avons donc établi que nous voulions avoir le hello au moment où je pose mon pied. Et j'ai pu le vérifier en tapant dans les mains, j'arrive à faire un geste à ce moment-là. Maintenant, le moment où le son sort va être précédé en fait par la respiration, d'accord? Parce que je vais avoir respiré avant. Si j'y vais doucement, je vais compter 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, hello. Donc, si je veux que mon hello sorte au niveau du 1, quand je pose mon pied, quand est-ce que je vais devoir respirer? Juste avant. 1, 2, 3, 4,
Là, je respire et à Hello, je peux démarrer mon son. Essayons ça ensemble. 1, 2, 3, 4. Hello. Ok, tu vois ce que je veux dire? Alors, ça bien sûr, tu peux le faire lentement. Il y a des applications comme ça pour ralentir la musique. Ce que je te propose surtout, c'est d'imprimer ta feuille. Et tu marches comme ça au rythme de la musique. Mets des petits bâtons sous les syllabes qui correspondent au moment où tu poses les pieds. Parce que ça ne sera pas toujours le cas. Mais ça, on verra ça une prochaine fois. Pour l'instant, on va déjà repérer toutes les syllabes qui tombent au moment où je pose mes pieds, ça me permettra de faire des repères lorsque je chante. Si tu as des questions, n'hésite pas à les marquer en commentaire dans la description ci-dessous. Et si tu souhaites aller plus loin, que je t'accompagne pendant un mois, il te suffit de t'inscrire en cliquant dans le lien qui est dans la description ou en cliquant ici sur le côté et tu recevras mes cours en vidéo gratuitement pendant 30 jours. Je te dis à très bientôt et surtout, prends bien soin de ta voix.